à tous les grands événements de sport mécanique en France, que ce soit dans 15 jours le Bol d'Or par exemple, sur le circuit de Mermenny-Cour la semaine prochaine sur le tracé de Nogaro, alors que c'est Gilles qui va, au nom de certitude, de récompenser l'ensemble de ses trois concurrents. Podium magique, podium magnifique. On le répète, une KDO IKF3 qui nous a RND, mais qui nous a fait un plaisir absolument immense. Et vraiment, que ce soit les Belges, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Français, on les a... Excellent départ. Presse qui, tout à l'heure, quand on s'approchait de lui sur la grille, on disait ben, tout simplement peut-être réussira-t-il à récupérer la troisième position. Il me dit oui. Il a raison de l'être, la preuve. La preuve, je crois que quelque part, la confiance en soi, dans son rôle, déterminant dans le résultat final. Et Vincent le couvre, le démontre, le confirme. Alors derrière, les deux Sony sont bien partis également. Le pilote monégasque, Charles Leclerc, rappelez-vous de ce nom, de ce prénom, et un changement pour le gain de la troisième position avec un petit numéro, peut-être du 3. Je pense qu'on vient de le vexer et c'était pas la meilleure chose à faire pour limiter son ambition. Le voilà déjà quatrième, Charles Leclerc à quatrième position, alors que devant le champ, il a pris un petit peu d'avance, mais pas grand chose. Et maintenant avec un Manon sous la menace directe de Dufroy à nouveau, Dufroy sur Manon. Horizontal dépassement sur un tour que le quart, mais ici on se régale de cette situation. Et une attaque qui va mettre à profit encore une fois le talent de Moineau. Donc il part depuis la première ligne contre Anak Imeyan. Ça repasse pour le pilote Sony. Oh là 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 là, quelle est belle celle-là. Allez, nous perdons rien du spectacle. Moineau a pris un tout petit peu d'avance. On s'empresse à attaquer, il n'y a pas le choix de toute façon. Il est au milieu de ce groupe de verre là, de ce groupe. On a tout la cathédrale du car qui est en ébullition. Ébullition qui porte ses fruits encore une fois. Couleur monégasque, couleur Charles Leclerc, qui est en position. À nouveau, Faïs à l'attaque. Faïs qui essaie justement de ne pas laisser partir du point de vue devant. Avec un ensemble de mots, il y a une violence conséquente. Ça suffisant pour être à l'aise. Et nous sommes à la mi-course. Déjà à la mi-course. Omniprésent dans les avant-scènes et devant, on ne se pose pas de questions, regardez, espagnol, ouais, que du bon, nous vient proposer ici, et attention à un nouveau passage du monde de tête qui va rester 5 tours seulement, sur le tour et demi, il est exactement pour commencer à nous rejoindre, donc on considère le chèque qui a été Thank you.
notre déplacement à la fin du mois de une course sans doute pour qu'il ne puisse briller la victoire qui est en train de se décliner maintenant. Alors c'est pour la troisième position, à l'arrache, au boyau, au triple.